Moi-même personnellement, vini avec nous tous, réunis, pour nous gagner une apparence religieuse. Mais nous n'avons pas de spiritualité, nous n'avons pas la nature divine dans la nous. C'est dans le piège ça, en pile, le monde prend qui fait rebâtir la fausse religion. C'est simple. Simple. Ils réunis, ils chantent cantique, de temps en temps nous disons ça parmi nous, ils citent le nom du Seigneur, mais ils n'ont pas l'esprit de Christ, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est deux bas, me dit là. Il n'y a pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas l'esprit de Christ, il n'y a pas l'esprit ou disposition de sa bon Dieu à bâtir. Nous pas voulu ça, nous pas voulu pour nous réunir et puis nous sommes un groupe monde, tout simplement. Mais nous voulons un groupe monde qui est dans la volonté de bon Dieu. Nous avons des signes et des prodiges à appliquer dans le temps. Nous. Il est vrai que le Seigneur est en train. L'on pas dans volonté bon Dieu ça pas fait, l'on pas spirituel assez ça pas fait. Nous devons confesser que pour un monde spirituel, il pas chose facile. Pas besoin de pour un peuple spirituel. Et pour un grand monde spirituel, il met en pile consécration. Donc le pour tout un groupe monde spirituel, il met en pile travail. D'après ça, nous apprenons, depuis un groupe de monde réunis ensemble, ils ne sont pas spirituels dans l'esprit. Yo. Bon, par contre, si ça me dit, ils sont pléonasmes. Mais et si l'esprit me dit là, c'est intelligence, spirituel là, c'est de Dieu. Ce n'est pas spirituel dans l'intelligence, aussi me dit que ça peut être mieux passé. Et tant le concernant, nous allons commencer à transpirer la chair. Nous allons commencer à gagner l'esprit de l'homme qui rit. Et son bagage qui est totalement contraire à la volonté de Dieu. Qui témoigne dit ça? De nous réunir ensemble, nous voulons fêter une fête sans levain. Et Paul explique ça, levain. Jésus t'a parlé de levain, il dit c'était. Dans Matthieu 16, peut-être, dans l'histoire tout à l'heure, il te dit que c'était l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Mais, l'on prend dans l'application, il paraît tes paroles qui sont dans la bouche seulement. Le vin, il vient hypocrisie. Le vin vient malice ou ruse les hommes. L'on a le plus loin avec lui, il vient dissimulation. Mon l'autre, mon cal plus loin. L'esprit, les hommes, le nous réunir ensemble, si nous n'avons pas la parole et l'esprit de Dieu dans le temps, nous, c'est bagaille, ça nous joindre. Nous joindre disposition humaine. Nous ne voulons pas ça. Moi-même, je nous connais, je dis ça parmi nous déjà. Tout le monde va intéresser si nous n'avons pas spiritualité. Nous voulons, nous voulons. Bon, tout le monde réuni, adorer le Seigneur. Mais il faut que l'Esprit, bon Dieu. Chaque fois qu'on groupe monde qui réunit, et chaque fois qu'il y a un monde qui parle l'Esprit de Dieu, chaque fois qu'il y a un monde qui parle l'amour de Dieu, chaque fois qu'il y a un monde qui parle l'évangile de Jésus-Christ, chaque fois qu'il y a un monde en moins qui gagne Dieu dans sa nature, ils sont un problème. Et le ça, yeux pas spirituels, sensibilité pas spirituelle, la vie pas spirituelle, nous seulement réunis comme une masse monde. Et nous pas intéressés dans ça. Le un groupe monde réuni pas une spiritualité, sous pas veiller au cas river dans abomination. Son bas pour veiller chaque jour. Abomination facile. L'arrivée dans l'abomination le plus que péché. Il y a un bagage qui fait le plus que transgression. Mais nous voulons nous réunir pour le Seigneur prendre plaisir dans le temps. Nous voulons fêter fête là, non avec du vieux levain, de malice et de méchanceté.
le vin de l'hypocrisie, mais avec des pains sans levain. Si vous voulez gagner yon fête qui n'a volonté bon Dieu, il faut le bagner levain là-dedans. En effet, l'un d'habitude sujet sur le sel, nous te dit ça. Et il t'aime lire quelques versets dans ce sens-là tout à l'heure. Dans même ça attire attention. Dans même une application spirituelle faite. Il y a un pile bagaille qui est capable glisser entrer dans mitan nous. Et là au glisser entrer, il est difficile pour nettoyer. De temps en temps faut comprendre ça, faut l'esprit nous attirer. Ouais. Même j'en voyais un monde, faut chaque jour bien. C'est une fois, deux, trois fois par jour, dépendamment de qui zone ou y est. Même j'en voyais, faut faire les lessive rado. Yo sale, parce que l'environnement sale, poussière, surtout dans l'environnement pas noir. Il y a un pile bagage qui pousse sale rado. Sale cheveux, sale souliers. Même des cheveux avec souliers, vous comprenez? Depuis notre tête jusqu'à nos pieds, faut nettoyer chaque jour. Même là avec un caille, vous quittez là, vous allez faire nettoyage là-dedans. Poussière plein toute bagarre. Et si vous ne veillez pas, la pluie tombe, la boue, si l'eau est en train de dans la même, c'est fini. C'est même gens ont besoin d'entretien spirituel. Et Paul dit, entretenez-vous. Bon, entretien spirituel qu'on doit faire. Il faut faire souvent. Il faut faire chaque jour. Ceci, c'est pas. C'est pas un simple lever chanter, mais. C'est. Son étal de vigner. N'a fait appel ça pour mon vin spirituel dans le royaume de Dieu. Non, pas v'lé, un groupe mon charnel réuni. Et. Il y a quelques petits travaux qui fait déjà. Nous jouons des gens qui viennent parmi nous. Quelqu'un de remet adoration. Quelqu'un de remet. Et il dit, ouais, le royaume de Dieu. Quelqu'un dit, il a besoin de puissance. L'autre jour, frère nous dit, t'as un bagage dans la tête, marche là. Et pour le convaincre haïtien dans la rue. Il n'y a pas de travail qui mettait dans ça. Libre temps pour le monde spirituel. Il est bon pour ça. Mais si nous parlons tout de temps en temps, nous avons tellement de couches poussières qui déposent sous lui. Alors nous ne pouvons pas reconnaître lui. Et qui t'aime faire du travail ça matin, nous avons besoin. Demandez tout le monde coopérer. Là, on sortit dans la rue, là, on entend des radios, on regarde des télévisions, on parle avec des amis, on entend des bagailles dans l'école, professeur, toute qualité. Ou pas, ouais, ça, mais, yo qui t'ont un marque sous, qui t'ont tâche sous. Parce que l'on réunit avec moun qui pas spirituel, il quitte marque, li a sous, on marque Chanel. Surtout qu'il y a des gens qui sont concentrés, qui lit des livres, qui ont un rapport avec l'autre société. Et ils viennent dans l'autre zone. Certaines fois, ce n'est pas des choses comme ça. Ils sont toujours là, oui, mais quelquefois, c'est nous-mêmes qui chita qui réfléchit des choses. Nous jouons dans l'étudier. Là, on a chita la réfléchi avec le terme ça que la Bible est. Séduction des richesses. On réunit et on gagne ça ou les soucis de ce siècle. On a réfléchi sur le bagaille la vie. Et puis on bande la boue vini. Comment la boue a fait? Poussière a vini d'abord. Et ensuite la boue a fait avec de l'eau. Quelquefois, et ma boue a un petit parole.
le corps gen saleté sous lui ou gen doit bien ou jeune la boue sous lui c'est pour pas mettre la boue sous lui ou rien mal bien dans la boue mais poussière la rue a poussière environnement on mettait ensuite transpiration corps fait la boue il facile pour ça fait on l'autre petit moment pas reconnaître position et finalement le trop la boue et dans port ou yo c'est de la boue nous parlons l'autre dans créole mais c'est de la boue et c'est terre avec de l'eau qu'fait les ports yo pas nettoyé assez et transpiration corps pas fait bien ensuite oxygène pas traverser corps ou vin ou doit venir malade sous ça seulement. Bon, veillez. Jésus t'a expliqué ça, mais il dit faut prendre précaution avec vous. Et quand vous arrivez, les hommes viennent tellement accepter conditions ça, yo fait le même vin en doctrine. Yo dit, yo explique, finalement, yo force le monde. Et ou même venir dans l'église. Et mais qui j'ai représenté lui? Il dit la chair est faible, ça veut nous faire. Et même si l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pas ça Christ a dit le dit ça. La chair est faible. Qu'on y a là, entre nos zones, tout le monde fait ça et ouvre. Malheureusement, démocratie entrant dans l'église, tout le monde fait ça et ouvre. Mais nous venons dans le royaume de Dieu, tout le monde voulait faire ça et vous voulez tout. Vous mettez le vent ça. Nous pas qu'à payer le luxe. Et si nous devons prendre soin de ça pour nous prendre soin, Vous pensez si on vient de l'ordre, vient de principe, ou vient de l'évangile, ou vient de justice, on nous aller. Mais si c'est ça qu'on a dit, besoin, nous regrettons ça. Ça, c'est Christ qui bat la ville pour lui. Les ministres de l'évangile mourent pour ça. Jusqu'à présent, nous travaillons. Nous recevons mauvaise nouvelle hier à cause de Pasteur Pell qui font crise cardiaque. Et, mais pendant l'absence de nos réunions dans Boston. Y a des hommes qui payent prix pour ça nous gain là je veux dire le aller yo prend temps pour yo chercher pour yo travail pour un verset biblique chita étudier quelquefois pas dormir la nuit pour yo capable mener ba nous des bagages qui pour bénir nom nous mais certaines fois nous pas fait ça nous devons faire comme ils ont jeune de lion verset l'autre jour dans Ézéchiel 44 ne pas songer qui fait celle était encore jeune dit moi na aimer nous lire ça avant que mal plus loin avant non pas lire longtemps oui mon gars il a lire dans micro moi s'il vous plaît mais il faut assez pour nous considérer ça l'évangile ça nous pas capable nous pas capable de troquer lui. Oh, je suis content, monsieur Daniel. Je suis content. Nous pas capable de troquer l'évangile ça pour chanalité. Mais pour quelle raison que fait un ministre là? Où est-il encore? Nous l'avons la première fois, nous l'avons la deuxième fois, nous l'avons la troisième fois. Monsieur, finalement, ça arrête avec vous. Qui veut celle-là? Ok, on nous lit. L'île à haute voix, l'île pour nous entendre. L'île pour connaître qui, genre, la parole de Dieu enseignée pour que ça le ministère de Dieu là. L'île pour nous entendre. Lis un peu plus haut. Lis verset, peut-être verset 22. Le sacrificateur. Dans le parvis intérieur. Oui. Ne prendons pour femme ni une veuve ni une femme répudiée. Dans qui verset là? Verset 22. Ok. Mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël.
Est-ce que c'est verset que nous appelons là? Oui, oui, continuez. Vous arrivez? Eh bien, arrivez. Nous pouvons aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Verset 23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint et de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur, ce qui est impur et ce qui est pur. C'est pour ça ministère là. Entre parenthèses, qui te me dit qu'on bonne baraque qui est impur ou pas, ouais, si est impur. Au contraire, on défend yo. Vous pensez au pur. Mais vous pas vraiment pur. Le Seigneur a besoin d'un peuple qui fait distinction, qui fait la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Les choses pas faites n'importe qui gens dans le royaume de Dieu. Où est le verset 23, s'il vous plaît? Ils enseigneront à mon peuple. Oui, à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Je dis à yo parler les sacrificateurs, yo les des ministres de Dieu. Yo va enseigner à peuple moins entre les choses banales, les choses charnel, les choses de ce monde et les choses spirituelles. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur, entre ce qui est impur et ce qui est pur. Et ce qui est pur. C'est pour ça ministère là. Si ministère a failli dans le travail, il perd du vocation. Maintenant, si ou même pendant ministère enseigner la parole ou a forcé pour quimber le mal, ou grand problème. Faut changer ça. Bon, me dit, ou pas bien succès avec le Seigneur, si ou a essayé de travailler dans le royaume ça, dans la charnalité. Et l'homme dit charnalité, il n'y a pas seulement les actes charnels. Yo la donne tout en effet, c'est production charnalité, mais charnalité sont état d'esprit lié. Et le charnel, ou penser charnel et ou agir charnel, ou agir selon la chair. Parce que l'esprit est soumis à la vanité. Et quand il vient de me dire ce chanter là, inspirez-moi, ça m'a dit là, un petit moment. Si elle va chercher à pas trop loin, il va loin en vrai, mais il y a un mur de séparation tout même avec elle. Ça fait ça. Parce que nous venons servir un Dieu qui est saint, qui est parfait, qui est céleste, qui gagne une nature élevée dans la sainteté, et puis nous pas approché nous-mêmes avec un autre état d'esprit. Nous n'avons jamais eu succès comme ça. Il faut dépouiller. Faut dépouiller des œuvres mortes. Et puis quitter le Seigneur béni. Comme il t'a aimé le Seigneur touché. Maintenant, quittez-nous enseigner les trésors de Dieu. Sois intelligent, on apprend. Sois pas intelligent, on va jeter ou on va négliger. Nous venons pour nous enseigner et prêcher. Pour faire différence dans la vie. Et pas qu'on s'en vienne là. Sois pas veillé, on va venir là, petit monde, on va venir là, grand monde, on va prendre grand monde, on va mourir là-dedans. Sont pas jambes, je n'ai rien à bon Dieu. Parce que vous ne pouvez jamais apprécier les choses d'en haut. Mais pas faire comme ça. Vous venez pour apprendre à faire distinction entre les choses pures et les choses impures. Entre les choses spirituelles et les choses profanes. Pas payer prix ou en vain. Lors réunis avec le peuple de Dieu, il faut lever main. Sans cœur pas condamné. Leur lever des mains, il faut que c'est des mains pures. Le bouche dit Alléluia. Et puis il faut que cœur pas nous sont hypocrites. Ça fait comme ça. Leur dit merci Jésus. Il faut que cœur pas condamné. On travaille sur un sujet, on fait une mise à jour pour l'Esprit de Dieu.
Le l'envie sans signe d'approbation, ça va retirer des gens qui ont assez de courage, qui n'ont pas de justice, mais qui ont manifesté du Saint-Esprit. Ça arrive. Et le ça, on mettait de l'eau dans la boue, on met de l'eau propre dans la boue, ou bien dans tel fait la boue. Il est facile de mettre de l'eau propre dans la boue, en effet. Par exemple, on a de l'eau qui est plus pure que l'eau de puits. Mais elle tombe à terre. Et dans la boue, c'est la boue le fait. Il tombe dans poussière. La vie, il y a poussière là-dedans. D'ailleurs, il y a une malédiction. Dans le naturel, il dit tu es poussière. Si vous retournez dans la poussière. Pendant la boue, ça, c'est pas de colle seulement que tu es poussière. Dans l'esprit, il y a tout de poussière. Et ça fait pour pas tourner, moi, l'autre révélation que nous apprenons, pour pas tourner dans la poussière, la terre, il faut que relever de cet état de corruption. Il faut l'esprit quitter la poussière. Nous songeons verset ça, nous lisons plusieurs fois dans Somme 119, verset 25. Il dit, mon âme est attachée à la poussière. À qui poussière? Poussière physique là ou non? Mon âme est attachée à la poussière de la corruption, à la poussière charnelle. Mais mes prières là, rends-moi la vie Seigneur selon ta parole. Vous avez ministère avancé la parole. Après faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Autant que nous avons souffle dans la bouche, nous avons cité, nous avons prêché, nous avons enseigné, nous avons dit notre Dieu règne. Vos cœurs sont en table ou bien en trône pour mon Dieu règne. Pas un succès dans rien dans le monde ça. Notre Dieu règne. On a dans Somme 37, li verset 27 là. Mais ça le dit. On va aller plus vite avec, s'il vous plaît. On a apprécié ça parce que nous avons pile le temps, nous allons aller avec précipitation. Mais on nous. Détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Fais le bien. Maintenant, qui j'en pour faire qu'on est? Il faut qu'on ministère enseigné. Pendant avancé, qui j'en pour faire différence entre le bien et le mal. Mais meilleure façon qu'a fait ça. Tandis qui meilleure façon qu'a fait ça. M'a pris dans Somme 37 verset 27. Meilleure façon qu'a détourner du mal, c'est lors détourner du mal dans propre cœur pas. Le mal les envelopper, engloutir, mais on détourner de lui-même. Yon moun qui juste, yon moun qui sage, li tendait l'évangile ça. Et n'importe qui est-ce qui n'a pas courage ou bien qui n'a pas intelligence pour faire ça, ou gagne un succès pour atteindre dans mon Dieu. Faut détourner du mal, avant détourner du mal l'autre monde. Ou avant peur monde faire au mal, c'est pour détourner du mal dans cœur avant. Gagne un mal c'est dans fond cœur lié, faut détourner de lui-même. Faut prendre victoire sous lui. Et qui ça mal à les pensées mauvaises. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées ont venu imposer au sou. Que c'est où qui produit, que son l'autre monde qui mettait, c'est pour détourner de lui au nom de Jésus. C'est ça le ministère de Dieu enseigné. Il a enseigné la parole pure de Dieu. Pour capable sanctifier cœur. Détourne-toi du mal. Fais le bien. Maintenant, mais ça le dit après ça. Possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice. L'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. On dit ça. Si elle va chercher, elle va trop loin, pas vrai? Mais méthode là. Il n'abandonne pas ses fidèles. Mais faut détourner du mal et faire le bien. Ils sont toujours sous sa garde. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Est retranchée. Les justes posséderont le pays. Oui. Et ils y demeureront à jamais. Ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse. Oui. Et sa langue proclame la justice. Sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Oui, lis ça encore. La loi de son Dieu est dans son cœur. Oui, lis encore. La loi de son Dieu est dans son cœur. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancelle point. Attitude lit toujours été stable. Son juste. À la chapitre 34 là. Lis verset 12 là. Venez, mes fils. Venez, mes fils. Écoutez-moi. Écoutez-moi.
Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Moi va enseigner la crainte de l'Éternel. Vini m'enseigner la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie? Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal. Ou pas qu'à pas parler mal si ou pas penser mal. Faut penser mal pour parler mal. L'autre bois te dit détourne toi du mal. Là, elle dit qu'il faut préserver l'angle du mal. Alors, préserver l'angle du mal. Il y a une mauvaise parole. Je suis dans le royaume de Dieu. Il faut veiller. Parole qui allait à l'encontre de la loi de Dieu, de l'amour de Dieu. À l'encontre de frères. On va gagner nos besoins. Certaines fois, nous pas traiter frères, nous bien avec bouche. Par l'amour de Dieu dans ça. Si elle va chercher à pas loin, c'est vrai, mais. Bon gens pour traiter le Seigneur, pour traiter l'esprit de Dieu dans vous, pour traiter frère. Si pas une attitude ça, non pas spirituel. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Veillez sur ce dit. Mais pour veiller sur ce dit, faut veiller sur penser d'abord. Éloigne-toi du mal. Verset 15, éloigne-toi du mal et fais le bien. Fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix avec qui est, avec frère. Éloigne-toi du mal et fais le bien, c'est ça. Que le ministère de Dieu enseigne. Il va à l'autre façon. Et nous réunis ensemble, nous parler. Nous sommes société dangereuse. Nous ne pas l'autre. Nous ne pas faire l'autre confiance. Nous réunis, mais nous pas ensemble. Vrai. Et nous n'avons pas veillé l'autre. C'est comme ça qu'il y a dans la politique. Lors dans le royaume de Dieu, c'est pour sentir en sécurité. Si frère garder tête, tout, c'est pour sûr que c'est. C'est parce que l'ivle ou l'italien, mais ouais, on l'autre cocade là-dedans. C'est aucune confiance ça. S'il garde pied, c'est pour sûr la garde pour l'ouest. Est-ce que pied ou un soulier là-dedans qui propre ou bien qui pas déchiré? Lors non royaume ou pas gagner assurance ça, l'ouest a garde pied au galil. Mettez le tête en bas. Et ma montre en bagaille. Si je connais les gens qui sont sous les bras, je ne vais pas aller bien. Au contraire, je vais montrer le déchiré. Mais si je connais les mal, je vais parler. Comme moi, je vais me serrer. Ouais, voyons, mon Dieu, pas de comme ça. Je ne vais pas sentir que nous manquons de sécurité là, nous réunir avec le peuple de Dieu. Et si nous parlons, le vin qui a fait nous comme ça. Attendez ça. C'est ça qui fait fausse religion. Et si nous parlons, nous faux même avec tout. L'autre chose. Qui t'aime faire travail, m'a fait là? Faut éliminer fausseté. Faut éliminer le vin. Nous avons un problème. Une fois, nous brotons tout bloc fausseté, nous en vini. Brotons tout Dieu l'esprit, nous. Et après ça, nous chita, nous imposer. Si nous vini faux, nous ne pouvons pas rester faux. Nous t'aimons aimé le Seigneur aider, nous ne pouvons pas rester faux. Et nous avons payé prix là. Mais nous cherchons la justice de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous fragiles. Psaume 141. En nous lisant un moment. Éternel, je t'invoque. Viens hâte auprès de moi. Venez vite. Prête l'oreille à ma voix. Écoutez-moi, Seigneur. Quand je t'invoque. Continuez. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Comme l'offrande du soir, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Oui. Veille sur la porte de mes lèvres. Aidez-moi, Seigneur, vous bouche-moi. Pas confesser de mauvaises paroles. L'un dit, mets une garde à ma bouche. Il n'est pas seulement dit, pas quitter me dit mauvaises paroles. Pas qu'il t'aime désirer mauvais bagaille, mais mon autre explication spirituelle. Pour que ça ne dise ça comme ça. Parce que quand on bouche en elle tout, il consomme convoitise. Pas qu'il t'aime consommer convoitise. Pas qu'il t'aime emmagasiner de mauvaises choses. Pas qu'il t'aime confesser tout. Mais une garde à ma bouche, Seigneur. Veille sur la porte de mes lèvres. Veille sur la porte de mes lèvres. Mon autre verset. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Son prière qu'a fait là. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, Seigneur.
à des actions coupables avec les hommes qui font le mal. À des actions coupables avec les hommes qui font le mal, Seigneur. Et que je ne prenne aucune part à leur festin. Pas quitter mal mélangé, non moins dans bagaille qui mal dans monde ça. Que il te fait dans le monde des impies, que il te fait dans le monde religieux, que c'est des pécheurs dans l'assemblée des justes qui fait travail. Et pas quitter mélanger là-dedans, au Seigneur. Conservez-moi. Mettez seul dans sacrifice moi en paix. Pas quitter moi tomber côté pour ne pas tomber. Bon, bon l'autre secret. Sous dans le royaume de Dieu, quelque monde a fait bagaille qui mal, c'est pour garder ce courage pour confronter. Mon ben lâche, même si on a fait bagaille qui mal, il y a lavé, il y a répété après, il y a ri dans ça. Ou son pécheur tout. Son pécheur par extension. T'as le qu'on soit venu un pécheur réel. L'on tolère un monde qui fait le mal, qui dit le mal, l'on approuve, l'on la donne tout. Hey, on va arrêter pour tuer frère devant et puis on va faire dans ça. Et nous réunir ensemble, c'est pas prendre plaisir dans mitan nous. Il y a un gros bagage moi t'aime mais ouais je dis. Dame le Seigneur parmi nous. Porte élevé volento d'abord. Pour qui ça? Que le roi de gloire fasse son entrée. M'a envie ou avoir aujourd'hui sans l'esprit. Ou pas trop intéressé sans la puissance de Dieu. Et nous pas tous amis ça, nous pas vinn socialisation là. Mais nous voulons nous réunir ensemble chaque fois. Ils ont juste levé main dans pointe ça. Ils ont leur juste dans l'autre pointe levé main. Ils ont juste derrière levé main, ils ont juste devant levé main. Ils ont juste sous plateforme levé main, ils ont juste dans mi-temps assemblée levé main. Et puis au fond réseau. Puis le Seigneur senti qu'on offrande qu'a levé vient joindre. Offrande de justice. Offrande qui méritait approbation. Oh, glory! C'est pas seulement parole qu'a dit, mais il y a justice dans la vie. Il y a la pratique du bien. C'est pas même l'homme qui saute couper frère dehors. Et puis qu'a dit, béni soit l'éternel sous en dehors. Non! Mais bouche qui a une barrière là-dedans. L'esprit qui a une barrière là-dedans. Elle levé main et dit, merci Jésus. Bon Dieu prend plaisir là-dedans. Là, ça, bon Dieu va bénir nous plus. L'on va prier, bon Dieu va attendre. L'on va louer, le Seigneur va prendre plaisir là-dedans plus. Et je veux nous compte ça et conviction là-dedans. Moi pas intéressé pour un groupe réuni sans l'Esprit de Dieu, sans justice, bon Dieu. Moi pas voulu. En général, nous faux de cœur. Si la parole de Dieu va venir avec nous comme la parole de vérité, comme la parole de justice. Pour le convaincre nous. Si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là pour commencer à faire nous saints, spirituels, nous n'avons aucun côté. Nous avons besoin de penser spirituellement. Ensuite, verset nous habitué avec la verset 5. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Oui, qui te nettoyé vie. Qui te Christ à travers le ministère, à travailler dans la vie. C'est une faveur parce que si vous quittez aujourd'hui, vous avez péri comme ça. Son grâce leur corrige vie. Il y a un monde qui a corrigé, il est énervé, il est mauvais, il est tellement orgueilleux. Il n'y a pas de parler avec lui. Il a péri comme ça si il n'y a rien fait dans le chaos. Mais si vous voulez le Seigneur attendre des prières, si vous voulez le Seigneur accepter l'orange, vous faites corriger vie. Vous avez besoin de bien, vous avez besoin de la potasse de foulon, vous avez besoin de la main de Dieu. Je parlais avec un frère l'autre jour, il dit il y a une main droite, pas qu'à laver sans main gauche. Yon main gauche pas qu'à laver sans main droite. Même le main droite là bâti avec habileté, main gauche là a bâti sans habileté. Mais on a besoin tous deux. Tous deux d'accord. Mais cependant, on a besoin d'arrangement. Mais il faut frotter vie. Et mes soeurs, nous connaissons laver, pas vrai? Nous tous là connaissons laver. Nous ne pouvons pas crédit ça. Et est-ce que nous jambes prenons rad, nous mettons dans de l'eau et puis nous voyons ça avant sous les bines finies? Ça nous fait. Et quand ça vous regarde la propre, eh bien, regarde vie ou pas propre, quittez vos photos tout. Vos photos tout. Pas qu'un regarde cap propre, c'est vous pas frotter. Vous frottez vie, il y a des gens qui peuvent frotter. Vous frottez. De vous peuvent photo pas jambes propres. Si vous pas jambes propres, laissez pas jambes prendre plaisir en vie. Si laissez pas jambes prendre plaisir en vie, il pas jambes approuver. Si vous pas jambes approuver, laissez pas jambes bénir. Il pas jambes faire grâce. Vous pas jambes prendre l'épouse de Christ aussi. Vous faites des appareils pour laver rad.
Tout ça apparaît là, fait c'est secouer le secourat là. De bon, pap, 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 pap. Vous voyez là, vous voyez le tourner. C'est ça que la vache là, oui. Un mouvement fait pour faire savon en souffle potasse là. Passer dans toile là. Vous êtes capable nettoyer, retirer saleté. Travail ça va pas fait, pas de espoir. Beaucoup propre, j'ai besoin propre. Si m'pas joindre de te frotter vim, m'pas d'ap même là jodi. Mais oui, merci bon Dieu de te joindre un groupe monde qui te travaille dans moi. Yo te frotter. Au moins te faire conscience. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtisse de l'huile sur ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Alléluia. Au pape bien force devant l'ennemi. Si le Seigneur n'a pas approuvé vivre. Allons l'on verset dans le Théonome. Témoin si c'est l'im besoin. Chapitre 16 là. Allons prendre note, à nous comprendre, à nous apprendre, à nous pas exporter rien. Que va samedi nous parler? Théonome 16, verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fête. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Je t'ai fêté la fête des tabernacles pendant 7 jours. On a une petite doctrine là. On a une petite doctrine, on a une petite explication. Attendez bien. Yo fêté la fête des tabernacles pendant 7 jours. Ils sont type. Mais c'est pas ça seulement. Continuez. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu te livreras entièrement à la joie. La fête des tabernacles, c'est ton fête qui te gagne récolte là-dedans tout. Ne va pas arrêter sur ça là, cougner là, parce que le bon façon que l'expliquer. Nous souhaitons un jour nous gagner petit temps pour nous travailler sur les fêtes. Il y a de bonnes révélations là-dedans. Il a passé 7 jours à fêter. Il y a la fête des huttes. Il y a la fête des cabanes. Son fête, mais toute salle de gain la donne qui fait au fêter. Il n'y a pas de fêter la fête des tabernacles dans le désert. Il a quitté le désert. Au contraire, fête ça, il a fêté parce que il a célébré. Parce que là, dans le désert, il y a une tente. Il y a la fête des tentes aussi. Mais là, il y a quitté le désert là. Il y a allé sur la terre ferme, en Canaan. Il y a une caille. Et là, ça, il y a fait ça pendant 7 jours. Tout le monde qui était caille. Il y a fait un petit tonnel en paille. Toute qualité de feuille. Et puis, il y a été en balle. Qui ça y a dit? Nous songe l'entrée dans le désert sans battante nous t'arrêté. Nous fait 7 jours pour nous célébrer ça, pour nous rappeler tête nous en battante. Maintenant, nous avons quitté la condition ça, mais nous sur la terre ferme, nous avons un caille pour nous arrêter. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui ça va représenter pour nous? Et là, nous va fêter la fête des tabernacles. Nous pouvons fêter. C'est la fête des récoltes aussi. Yon jour, nous papes, n'entendons ça encore. Mais ça nous a dit aujourd'hui,
Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. On leur va toujours dans le désert pour fêter, pour pouvoir habiter sous des tentes. Oui, je dis à nous habiter sous des tentes. Mais on leur, on va quitter condition tente là, on va traverser dans la maison ferme. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mes dames. Nous allons fêter la fête des tabernacles, principalement dans l'épouse de Christ. Les on va un corps angélique. Oh oui. Les on va fêter. On va chanter Hosanna. Hosanna. Et grand seule raison qu'on va, on va rappeler de la vie d'autrefois, c'est pour faire comparaison à la vie éternelle qu'on va gagner. Il n'y a pas de douleur encore, ça, parce que le Seigneur va, il va essuyer toute larme de tes yeux. Au pape songer pour gagner des sentiments de regret encore. On va gagner des sentiments de réjouissance, de joie. Parce que un jour, on va dire, mais côté, je suis dans le désert. Je n'ai pas de l'eau, je n'ai pas assez manger. Je suis habité sous des tentes, je n'ai pas de problème. Le soleil a été chaud dans le corps. Et le serpent brûlant a mordu, mais ça m'a traversé. Mais je dis à m'a fêté. M'a fêté la joie parce que m'a gagné tant. M'a pas gagné tant encore, mais m'a gagné un édifice éternel. Yon caille qui va faire de mes hommes. Oh. Et c'est comme ça, Paul de Gagné le dit ça. Si c'est de temps où nous habitons sur la terre et détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Et c'est pas menti, sauf que gagné une explication qui marche avec ça. Le, on va arriver dans une zone. On va arriver dans une zone. On va sentir que le Seigneur va bas où les récompenses de la vie éternelle. Et Zach fait, il te dit ça dans Romains 8, par vrai, verset 18. Les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça, c'est la fête des tabernacles que nous allons fêter. Mais avant d'arriver là, on nous joue dans l'autre fête. Verset 16, pas vrai? Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu. Devant l'Éternel, ton Dieu. Dans le lieu qu'il choisira. Dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain. Premièrement, dit à la fête des pains sans levain. À la fête des semaines. À la fête des semaines. Et à la fête des tabernacles. À la fête des tabernacles. Trois fois, les hommes doivent monter, aller à Jérusalem. Trois fois par année. Mais une fois, c'était à la fête des pains sans levain. À la fête des semaines. Et à la fête des tabernacles. À la fête des tabernacles. Mais tu as gagné. On va m'expliquer là. Je vais arrêter sous lit parce que nous n'avons pas étudié les fêtes. La fête des pains sans levain, tu es connecté tout directement avec la fête des tabernacles. Tu as gagné trois fêtes qui ont été fêtées. Une, c'était la Pâque. L'autre, c'est la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain a duré une semaine, 7 jours. Mais dans le même jour, tu as la fête des semaines qui commençait. Et la fête des semaines va durer 7 semaines. Et l'on multiplie 7 semaines par 7 jours de la semaine, Libaou, 49 jours. Le 49 jours accompli, 50e jour et les jubilés, c'est la Pentecôte. Je vais finir de droit comprendre qu'on est là. Même si la pluie a tombé, écoutez bien. On traverse l'épreuve nous avec la foi dans mon Dieu. Dans la fête des pains sans levain, nous avons monté dans cette doctrine là.
Nous va fêter la fête des pains sans levain. Maintenant, pour arriver. Parce que nous sommes dans l'église, nous pouvons fêter, faites ça. Mais nous privé pour nous fêter. Oui. On nous lit en Corinthiens 5. Verset 6. C'est bien à temps que vous vous glorifiez. C'est bien à temps que vous vous glorifiez. Vous avez verset, pas vrai? Qui chapitre n'a pas là? En Corinthiens 5, verset 6. C'est bien à temps que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Non. Dans le spirituel, Paul a expliqué l'application faite là. Paul a expliqué l'application faite là, si vous voulez comprendre. Longtemps, c'était farine avec de l'eau, sel. Mais je dis, ah, c'est pas ça. C'est nous-mêmes qui pâtons là. Parce que c'est nous qui allons faire pain. Parce que vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Vous voulez comprendre ça très bien? Pendant la lit chapitre 10 là. Verset 17. C'est pour une compréhension que le verset ça. T'as le conseil à tout le côté. Puisqu'il y a un seul pain. Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs. Nous formons un seul corps. Alléluia. Bon seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons est-ce que est-ce que vous voulez dans corps ça? Parle avec nous. Car nous participons tous à un même pain. Verset ça seul, on a besoin là. Quittez-moi pour arriver ton bagage. Dans mon levé, mais on l'a dit, Seigneur, fais-moi seul pain ça. Son prière lié, oui. Seigneur, fais-moi seul pain ça. Bon seul vrai pain. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Puisqu'il y a un seul pain. Là, dit puisqu'il y a un seul pain, un grand seul vrai pain, un pilote pain. Il offre un pilote pain. Mais un seul vrai pain. Et pas qu'un an pain ça n'importe qui Jean. Il faut lire verset ça pour une raison. On nous tourne dans chapitre 5 là. C'est enseignement pour faire travail là. On va vous raconter aux paroles, mais c'est enseignement pour faire travail là. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Pas oublier qu'on seul pain, qu'on seul pas de cap battre pour faire un seul pain. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. Tout le monde dit ça avec moi s'il vous plaît. Non, mon participé. Faites disparaître. Répétez ça plus fort. Faites disparaître. Pas voyez sous frog qui sous coteau là, non. Mais ça avec tête ou à parler. C'est pour me faire disparaître. Non, moi-même, le vieux levain. Et le pas l'identifier le bout. Pour que vous soyez une pâte. Que vous soyez une pâte nouvelle. T'as l'air, elle te dit, pour son pain. Là, elle dit une pâte. Mais c'est même bagage. C'est pâte là qui fait pain. Puisque vous êtes sans levain. Alors, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Mes recommandations. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice. Et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain. De la pureté. De la vérité. On nous relit, verset 8.
Mais qui ça? Mais qui ça a besoin de mettre ensemble pour célébrer la fête là? Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice. Non avec le levain de malice. Et de méchanceté. Ruse. Dissimulation. L'envie et médisance. N'a pas cité 1 Pierre chapitre 2 là. Nous n'avons pas besoin de bagaille ça dans la patte là. Nous ne voulons pas une société dangereuse. Nous ne voulons pas pour nous réunir pour une pelote. Nous ne voulons pas vivre avec l'autre. Tellement de levain, tellement de orgueil, tellement de crainte, tellement de hypocrisie, tellement de ruse, tellement de malice, tellement de méchanceté. Nous ne voulons pas traiter l'autre bien. Nous ne voulons pas son vieille société ça est. Moi, je ne vais pas son côté. Moun pe moun. Et c'est comme ça nous yon pas l'église de Christ. Nous pas l'église du Seigneur. Nous faisons une meilleure atmosphère demeurer parmi nous. Et nous enseignons comme ça qu'on gagne une résistance qui crée. Mais ça lié. Personne pas coupable. Tout le monde est temps parfait. Depuis que tu as enseigné là, tout le monde est te pratiqué déjà. Non, on va besoin prendre dans pièce ça pas passer. Nous tous coupables. Et pour nous tous convertis. Que soit Jean lié à gonti le vent à venir quand même pour retirer. On nous relit verset 8 là encore, l'intéressé. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice. Non avec le levain de malice et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain. Avec les pains sans levain. De la pureté. De la pureté. Et de la vérité. C'est avec ça que vous nous faites des fêtes là. Vous avez là réuni. Nous avons des gens qui m'ont dit côté pain. Ils ont dit que nous avons un problème avec qui ne pas prendre la scène. Il y a un verset biblique qui dit que je prends un petit morceau de pain avec un petit verre du vin. Il y a un. Ce sont vrais étudiants la parole. Okay? Maintenant, il y a des gens qui veulent faire ça pour capable renforcer la croyance. Si c'est pour ça qu'on fait, il n'y a pas de problème avant. Son rituel. Mais la Bible dit que c'est avec pureté et vérité pour me faire cette fête là. Et pas ça le dit? Nous pouvons fêter la fête des pains sans levain. Si vous êtes le corps de Christ, vous êtes une pâte nouvelle. Comment on fait une pâte nouvelle? Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu, les libérer le cœur de toute vieille malice et méchanceté. Jésus dit, disciples, dans Jean chapitre 15, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et le ministère de Dieu enseigne la parole. Pour faire différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, son sens pour libérer de toute impureté. Pour qu'il y ait pureté. Et nous réunir ensemble, nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Le savoir un miracle, bon Dieu n'a mis en nous. Si elle n'a pas trop loin, vrai. Mais quand pile bagarre qui empêche de l'eau à couler. Il est un fleuve dont les coins régissent assez de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Moi, dit Dieu est au milieu d'elle. Dieu est au milieu d'elle. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Gloire à Dieu. Il n'est pas loin de nous. Il est là. Soit entré dans le royaume de Dieu, pas joindre, soit besoin qu'on ait. Il y a un bagage qui campe bénédiction. Il y a un bagage qui empêche de l'eau à couler. Il faut que les courants du fleuve réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire est la demeure du Très-Haut et Dieu est au milieu d'elle. Levez-moi, on l'a dit, bon Dieu, merci. Levez-moi, on l'a dit, bon Dieu, merci. On
va les réunir pour nous même, nous sommes toujours hier. Charnalité, rayé. Dans la pensée, nous sommes orgueilleux. Les hommes fragiles en pile tellement orgueilleux, susceptibles. Voyons, je ne peux pas dire une parole pour ne pas transformer l'en bas qui mal. Tellement remet personnalité. Tellement remet ville. C'est lui-même seul qui bon, tout l'autre monde mal. Lui-même seul qui zan, tout l'autre monde c'est méchant. Pourquoi ça va renverser le pito? Songez, pasteur, ouais, j'enseigne une leçon. Il dit. Nous comprenons comme ça. Les dit nous dit moins bon ou pas bon. Mauvaise déclaration. Il y a un monde qui dit nous tout bon, c'est moins que pas bon. Mauvaise déclaration. Mais déclaration bon. Nous sommes frères. Mais frères, selon la miséricorde. Avancez avec lui. Remène Jean Léa. Pas parler le mal. Pas détruire lui. Prends patience avec elle. Bon Dieu va bénir. Alléluia. Il n'y a pas de rendre compte, c'est que le plus souvent, les gens qui ne prennent pas patience avec les gens, c'est parce que lui-même, il est à la caille. Il est mal. Mais si tu reconnais que au grand bagage la kaok mal au monta humilié ou tu as commencé supporter l'autre le Seigneur va gagner miséricorde pour gagner un autre verset biblique c'est dans Galates li attendez ça Paul dit là hey li verset 13 dans chapitre 5 là. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Je vais lire l'autre verset dans le même chapitre, ça, mais je voulais lire ça avant. Et rendez-vous serviteurs par la charité les uns des autres. C'est pour ça nous relis. Nous pas venir là pour seulement son beau observateur, mais nous venons là pour nous servir les autres. N'importe qui est-ce qui va venir à servir les autres quand on manque de vocation, ou rat-il? Ou besoin à servir frère. Ou besoin à mettre tête comme un serviteur humble. Pour frères et sœurs dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que nous avons un royaume spirituel. Nous n'avons pas de l'autre façon. Hey. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. Mais si vous mordez une autre, vous dévorez une autre. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous ne soyez pas détruits l'autre. Certaines fois, on a détruit frère, nous ne pas connaissons parce que vous êtes à l'aise. Il y a des gens qui mordent l'autre, vous ne pas senti que ça fait le mal. Parce que vous avez souffert. L'homme qui colle dans la peau de l'autre. Son attitude comme ça. Ou pas une attitude. Ou pince son monde. Ou bien on pique elle. Et puis la souffre. Ou même relax. Ouais, l'amour de Dieu m'a dit de mettre tête dans la place de l'autre. Et ça n'a pas défendre là. Si nous pas gagner ça. Moi, je n'ai pas de place ici à tout. Je n'ai pas besoin de bagaille. Ou le travail m'a fait ici, je n'ai pas fait le boucob. Yo pas payé, m'a pas besoin personne paye. M'a besoin gloire dans mes personnes. M'a rien charnel besoin ici. M'a besoin comme personne.
pas faire des politiques, abuser personne pour l'argent. Moi, je dis, je n'ai pas besoin d'avantage aucun dans mes personnes. Je veux faire travail à ma droite. Je vois un monde qui a baissé et dirigé avec petite corruption, petit cob à droite, petit cob à gauche. Al dégage au pressé pour un petit cob ou pour aller tomber dans la corruption quand même. Si, dans un monde, on a tout nos sociétés corrompues, charnel, malé, bavlé. Tout prix intéressé, missiam, le bon Dieu parmi nous. Et je ne sais pas si je suis là, je suis parole qui n'est pas selon le cœur. J'ai une conviction dans ce que je dis. Je ne fais ça pour rien dans le naturel. Je ne vends non, je mais les personnes viennent acheter nous ici. Je vends l'argent sous côté. Je hypothéquer nous, je louer nous, je fermer nous. Je vais prêter comme sous nous. Je vais faire bagarre comme ça. D'ailleurs, petit temps ça, trois petits pour te bâtir déjà. Les blancs disent I am, comprenez? Nous avons dit I am tout. Mais nous ne pouvons pas vendre. Pour qui ça nous ne pouvons pas vendre? Nous avons besoin du corps de Christ bâti. Vous avez le bon Dieu de grand bénémoine dans le peuple et justice qui manifeste. Si nous ne pouvons pas la corruption, nous ne pouvons pas l'avantage charnel, au moins nous avons besoin d'un temple, pendant que le ciel déposé, l'esprit parmi nous. Levez mon lèvre, dis bon Dieu, merci pour ça, liez-vous. Oh God, alléluia. Nous voulons être ensemble dans le royaume de Dieu. Nous voulons, bon Dieu, marcher parmi nous. Mais c'est où pour inviter? Et vous le venez avec cheval li pour le triompher dans mitan nous. Si le Seigneur a une place li parmi nous, il n'y a pas besoin là. On va exagérer. Verset 15, mais si vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Pour ça, pas fait, faut célébrer fête là, non avec du vieux levain. Le vin de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain. Mais ça va m'inviter tout le monde fait. Ça va m'inviter tout le monde pour conscience de problème. N'importe qui ça qui l'a kayou ka piqué peuple bon Dieu, vanni. N'importe qui ça qui l'a kayou ka détruit le peuple de Dieu, éliminer. Vini parmi peuple bon Dieu comme des hommes et des femmes sans violence. Et puis soumettre la vie dans la communion spirituelle là. Si rien pour supporter, supporter. Si rien pour souffrir, souffrir. Mais c'est pour serviteur les uns des autres. C'est ça le corps de Christ. Je ne peux pas peur dire que je ne peux pas bâtir fausse religion. C'est plus que déception d'argent, je prends 6 mois. Nous avons un groupe de peuple qui est religieux, mais pas un bon Dieu dans le temps. Vous ne pouvez pas sentir bon Dieu. Vous ne pouvez pas sentir présence bon Dieu. Vous ne pouvez pas sentir approbation bon Dieu. Parce que vous n'avez pas justice bon Dieu. Nous seulement vides, nous secs. Elle finit, nous venons, nous allons. Nous venons chanter, nous allons. Pas rien. Pas rien l'esprit de Dieu. Pas rien croissance spirituelle. Pas rien considération. Pas rien amour divin. Pas rien personne qui a construit personne. Vous n'avez pas mordé l'autre. Si vous sentez tout est mordé, c'est pour aller côté pour ranger sa velle. Vous sentez l'esprit pas de droite envers lui. C'est pour prendre soin. Nous allons venir pour nous goûter ici. Nous allons venir pour nous bâtir le corps de Jésus-Christ. Je veux rappeler aux vocations. Que son Saint-Nom soit béni. Alléluia, alléluia. Nous sommes sérieux. Allons lire verset 7 dans le même chapitre là. Regardez pour qui ça le dit. Vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté
Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous avez coopéré très bien. Vous êtes dans le royaume correctement. Qui ça campé? Qui ça qui retire inspiration? Qui ça qui retire appétit? Vous avez bâti le corps de Christ. Vous avez aimé la vérité. Pour quelle raison? Pour qui ça ou changer? Même si toujours là, vous changez. Pour quelle raison? Pour qui ça? Continuez. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Influence, ça, c'est pas mon qui relo là, c'est pas lui qui voyait. Il n'est pas sorti de Dieu. Un peu de levain, un peu de levain, fait lever toute la pâte. On dit crasse méchanceté, on dit crasse orgueil, on dit crasse jalousie, on dit crasse esprit personnel. Fait toute pâte la lever. Comment le lever? Là, nous réunir ensemble au lieu. Nous adorons le Seigneur pour nous sentir bon Dieu. Nous sommes vides. C'est ça le levain fait. Il faut paraître gros mais sans rien. Ou paraître gros mais en léger. Et ça fait lire les hypocrisie, méchanceté, malice avec ruse. Il n'est pas réel. Mais nous avons aimé le Seigneur toucher nous. Comment nous avons aimé le Seigneur toucher nous? Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons prier tout à l'heure. Mais qui te dit quelque bagaille. On va le finir tout à tout. Nous c'est des hommes, c'est des femmes nous nés dans un monde terrestre, charnel, sensuel, diabolique. Nous toutes venir avec péché nous. Nous t'aimer le Seigneur, purifier nous. Nous t'aimer le Seigneur, délivrer nous. Nous t'aimer le Seigneur, agir pour nous. Et non, il n'est pas facile. Est-ce qu'on va soumettre vie pour mon Dieu béni? Qui te rappelle yon l'autre bagaille? C'est travail ou vine travail encore. C'est pas plaisir ou vine prendre. Ou dit pour vous? C'est travail ou vine travail, c'est pas plaisir ou vine prendre. Nous travaillons sous l'esprit nous. Nous travaillons sous orgueil nous. Mettez-nous au travail non, dans le royaume de Dieu. Ou va en femme vertueuse. Ou prenez en piège l'esprit ou soit chercher choses faciles. On bagaille comme ça. On a cherché la chose la plus facile. On bagaille comme ça dans le monde aujourd'hui. Le monde fin gâté. Moun se nan peser bouton. Peser bouton par la moun New York. Peser bouton par la moun en Afrique. Il n'y a pas comme ça longtemps. De qu'on prend bourrique avec cheval kounya ou prend un avion dans une heure ton rivé quand on te qu'on fait dans 6 mois arrivé dans 3 heures temps et n'a pas ce bouton n'a vivre. Les hommes viennent tellement à l'aise, vanité ça vient affecter le royaume de Dieu tout. Tout le monde besoin à l'aise, pas un côté pour à l'aise dans le corps de Christ. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais on regrette pour me dire ça, pas un côté pour à l'aise dans le corps de Christ. Son zone de travail lié. Oh, alléluia. Le 8, allez, lui suivre Naomi. Le rivé l'autre bon, il y a le glané dans les champs de Boaz. Le bata chita gade. Mais la marche prend si bagay dans les récolte là. C'est pas dans le travail. Et puis Boaz gade l'autre bon, lui well. Et puis il pose question ça. Quelle est cette jeune fille? Il explique lui. C'est une Moabite, elle est venue avec Naomi. Et puis il dit, cette belle jeune fille qui travaille, appelle-la moi. Voilà, mais Christ dit ça, Christ. Christ, car elle est au Boaz, son type de Christ. Mais c'est dans le champ, elle a travaillé dur. Elle a pébri. Elle a l'esprit, elle a soumettre. Elle a travaillé, mettez mes mains dans le travail là. Elle a pris mes frères, elle a lavé pied frères. Ou à bénir corps, à bon serviteur les uns les autres, sans hypocrisie, ni menace, ni ruse. Mais on va faire travail corps, à non corps, sans argent, sans or, sans rien payer. Et pendant Christ, il a mis à l'écoute pour vous. Il dit qui est souillé. Et puis peut-être le ministère explique qui est souillé. Il connaît, il ne sait pas connaître, il ne connaît pas. Mais il pose la question. Et puis il dit, menez-le pour moi. Menez-le vini. Il va commencer à offrir des choses. Il va commencer à offrir des présents. Et bientôt, nous allons trouver nous coucher dans les pieds de notre maître Boaz.
C'est notre travail pour nous jouer une récompense. Nous. Je regrette ça, mais quoi, on sonne de que vous venez. Ni by blague, ni prend plaisir. Ni garder pour à côté le plus bon pour vous. C'est travail ou vin travail. C'est ça, Christ, mais nous venons faire là. Qui peut trouver une femme vertueuse? Proverbe 31, pas vrai? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Oui. Bien ça, elle dit. Elle met la main à la quenouille. Et ses trois, ses doigts tiennent le fuseau. Alors, elle dit, ils sont monde qui a fait tricot. Elle a fait toile. Elle a tissé. Elle a travaillé dur. Son mari est considéré aux portes. Quand il cherche avec les anciens du pays, elle donne la nourriture à ses servantes. Il travaille dur. Travail, ça, c'est pour travail physique seulement lié. Il faut travailler dur dans l'esprit. Pour abrailler le mal. Et faire le bien. Pour obtenir à ce que la parole de Dieu prenne place dans la vie. Son dur travail, dur labeur. Que son Saint-Nom soit béni. À nous veiller pour ça va arriver. Que d'emba deux ou trois instructions. N'importe qui ça yon moun a touché dans le royaume de Dieu, touchez-le avec précaution. N'importe qui ça va faire dans le royaume de Dieu, fais-le avec précaution. Vous en faites avec un esprit de serviteur. Vous humiliez sous la puissante main de Dieu. Vous faites travail, bon Dieu. Le fini va le faire ou tout. On n'a pas besoin de toucher dans mes personnes. Parce que mettre ou va payer. En nous spirituel. Moi, je dis en nous spirituel. En nous pas deux ou trois mouns qui viennent. Qui seulement viennent derrière un petit gloire, un petit vain gloire. Toute société qui réunit. Chaque grain de mon apprécié la ré et son lot. C'est comme ça, vous voyez. Bon, société scout qui fait, ils mettent chaque campé en pointe. Bah, qui ça scout a fait l'église. Ils mettent au campé là. Bon moniteur, bon chef, bon président, chaque monde son président. Quand il y a pas relé au maestro encore le président choral. Président jeunesse. Président chef. Évêque. Et président de la mission, bon président, bon président. Finalement, par contre, combien de présidents qui ont la mission? Tout le monde président. Tout le monde besoin de rayer. Il y a une base spirituelle. Tout président. Et pas ça, vocation. Malheureusement, quelquefois, il y a pas un monde qui peut enseigner pour faire la différence entre la pureté et l'impureté. Mais à suivre, c'est l'esprit. Tout le monde besoin de chef. Vous ne connaissez pas ça, nous venons faire ici. Tout le monde serviteur. Je ne mettais personne mon chef ici parce que même moi-même pas trop chef. Pour me dire chef même. Un seul monde qui est chef ici, à Christ. Elle va nous mettre autorité à nous servir avec elle et pour bâtir le royaume de Dieu. Si m'utilisez un peu d'autorité que Christ m'a moi, c'est pour faire le bien. Pour bâtir le corps de Christ. C'est pour manifester l'amour de Dieu. C'est pour tenir à ce que le travail spirituel l'a fait. C'est pour ça nous là, nous avons une haute vocation. Nous avons la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il faut que nous produisions l'épouse de Jésus-Christ. Oh, la terre va gagner récompense encore. Nous avons rien sérieux dans le fait ici. Même le Christ, Christ, Christ a approuvé le travail nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous avons rien de faire ici. Si ce n'est pas bagay, ça, on a expliqué ce qu'on vient de faire. Si on l'autre bagay, on vient de faire. Nous allons avoir la donne. On a chanté, chanté avec onction. On a joué, joué avec justice et onction. On a prêché, mes frères. Prêché avec justice. Prêché avec onction. Nous, même, on vient de quoi? Servir avec justice. Servir avec onction. Pour avoir une autorité, bon Dieu, dans la vie. Si nous venons, nous avons un bon Dieu. Ce n'est pas rien de sérieux à régler. Levez-moi, alléluia, le Seigneur.
C'est les bonheurs de la fête. Non, avec du vieux levain. Le vin de malice et de méchanceté. Mais avec des pains sans levain. Au lieu d'une veille l'autre pour le piquer, une doit veiller l'autre pour le servir. Au lieu d'une veille l'autre pour le parler le mal, une doit veiller l'autre pour le faire complot d'amour pour qu'on puisse mettre ensemble. Pour mettre un soulier dans l'autre là. Comment on a fait pour l'autre là manger? Combien de jours le fait pas manger? On passe sous frère pour occuper. On te cabale manger le grand goût. On te cabale qui chole maintenant pied ou pas balil. Comment mon bon Dieu arrête l'irayé dans le cœur? Qui sont venus régler? Ça, c'est le corps de Christ qui est lié. Un seul pain, une seule pâte. D'ailleurs, mais tout le monde qui a l'esprit personnel, il a jeté. À part de l'esprit charnel. Tout caractère humain. Pas jeté. C'est ça que Christ a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et qu'il me suive. Nous ne sommes pas venus pour nous faire des choses dans le royaume. Mais nous sommes venus pour nous bâtir le corps de Christ. Nous voulons songer ça. À part pour nous finir. À part pour nous finir, mais. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier pour le Seigneur aider nous pour que nous puissions. Priez, demandez le Seigneur pour gagner miséricorde pour nous. Quel que soit ça, nous devons faire frère nous qui mal. Que nous soyons conscients, que nous pas conscients. Demandez le Seigneur pardonner ou s'il le faut révéler. Non pas qu'en société qui a détruit une autre. Nous n'avons pas de crise, nous n'avons pas de gros cas. Mais nous avons un petit pain, nous besoin de retirer. On va dire fatra. Faut qu'on l'aide la fête. On vini. C'est pour l'esprit de Dieu libéré. Côté de la libérer, dans l'esprit d'abord. Besoin de nous réunir. M'a voulu quelques moun a loué bon Dieu non, besoin de tout le monde occupé dans louer le Seigneur. Soit veille à s'allier. Expliquez-moi s'allier, soit veille. On veille si l'autre la poudre. Ou bien si le pain qui coule les sandales, besoin veiller si l'autre a une veste ou bien s'il pas une veste. Et ça vient veiller en nous spirituel. Mais m'a pas dit encore qu'on piège nous pas prendre la donne. Réunir un bande monde et puis pas une spiritualité dans mitan nous, pas un bon Dieu vrai. On vieux piège lié. Les hommes ils sont satisfaits avec, réunis, frappés cymbales. Tout à dit, monsieur, frappés cymbales là trop fort. Frappés cymbales, jouer gros musique, guitare, keyboard, micro, trompette, bien fort. Et puis on commence ça avec l'ouange là. Ça, c'est être joyeux. C'est pas qui aide nous, ou est-ce qu'on a adoré le Seigneur, bien. Si ce n'est pas utile, on a suspendu. Si le cœur n'a pas qu'à lever devant le Seigneur, il n'y a pas aucune raison pour la musique à jouer. Ni micro à parler. Il y a cœur.